Bonjour, je suis Sébastien Le Dentu, donc je suis coiffeur énergéticien donc à Bruxelles depuis une dizaine d'années. Donc la coupe énergétique, c'est quoi? C'est une méthode donc de soins naturels qui va permettre de rééquilibrer toutes les fonctions vitales du cheveu, à savoir l'irrigation, la fabrication des cellules de cheveux, mais qui aussi, comme elle est pratiquée sur des méridiens, donc qui sont des vaisseaux virtuels qu'on utilise notamment en acupuncture, elle va permettre aussi un rééquilibrage énergétique lorsque c'est nécessaire. Comment elle se pratique? Le déroulement d'une séance, pour moi, commence toujours lors de la prise du rendez-vous au téléphone par mon collaborateur. La personne arrive avec des cheveux non lavés depuis 2 jours qui me permettront de faire un diagnostic précis et qui me permettra de voir vraiment les cheveux dans leur état naturel. Après, donc, va commencer donc notre travail ensemble avec, puisque pour moi, c'est une collaboration à deux. Dans un premier temps, tout en lui posant les premières questions de savoir quel est son rapport au cheveux, comment elle les trouve, comment elle en prend soin. Je commence à prendre contact avec les cheveux, c'est-à-dire les toucher. Et dans ce même temps, je vais rentrer dans son énergie puisque j'ai tout un rituel automatique aujourd'hui maintenant, mais qui me permet de déconnecter mon propre mental pour vraiment me caler sur la vibration et l'énergie de la personne qui va me permettre, tel un médium, de ressentir déjà certaines informations. J'utilise aussi une grille de lecture bien précise, à savoir que je vais diviser le cheveu en plusieurs parties. La partie de la nuque va correspondre à ce qu'on appelle en médecine chinoise le moi profond, c'est-à-dire tout ce qui est derrière nous. La partie droite va représenter tout le rapport à la mère et la partie gauche va représenter tout le rapport au père. Tout ça va me donner des informations par rapport à une grille de lecture et moi va me permettre aussi, suivant mon ressenti, d'argumenter donc mes questions. Ce qui est intéressant pour moi, c'est aussi de savoir dans ce rapport avec ses cheveux, c'est comment elle entretient ses cheveux, qu'est-ce qu'elle utilise comme shampoing éventuellement, est-ce qu'elle met des soins, quel genre de produits utilise-t-elle, des produits de la grande surface, chimiques, pas chimiques, bio. C'est aussi intéressant parce que souvent je me rends compte que les personnes ne connaissent pas ce qu'elles se mettent sur la tête. Et aussi, je lui explique les bons gestes déjà pour commencer à prendre bien soin de ses cheveux, commencer par un massage du cuir chevelu au lieu de frotter son cuir chevelu, en lui expliquant le bénéfice qui est de stimuler donc la microcirculation, puisque un cheveu est vraiment une matière vivante. Je le symbolise souvent à la plante, puisque c'est la même physiologie. Et donc, à l'intérieur d'un cheveu, nous avons ce qu'on appelle une moelle capillaire, qui serait la sève de la plante. Et donc, cette sève a besoin d'être enrichie, et cet enrichissement va venir par le massage de notre cuir chevelu et la microcirculation qui va apporter tous les nutriments qui arrivent notamment via notre alimentation, mais aussi ce que l'on met des fois lorsqu'il y a besoin d'une supplémentation au niveau donc du cuir chevelu. La deuxième partie, là c'est la partie soin donc, qui va se faire donc, sur un bac massant shiatsu. Donc, où là je vais procéder à ce qu'on appelle un massage shiatsu. Qu'est-ce que c'est qu'un massage shiatsu? Ce sont de la digicupuncture. Donc c'est comme de l'acupuncture mais qui est fait avec les mains, donc sur les méridiens, donc les 4 méridiens qui passent au niveau de notre cuir chevelu. Pendant ce soin, donc, je travaille évidemment avec la gamme de produits naturels, bio, cosmétologie, climatique qui travaille par rapport à la loi des 5 éléments. Je procède donc à ce soin et il y a toujours un temps de pause que je laisse d'à peu près de 2, 3, 4 minutes, le temps que les produits agissent et que la personne intègre son massage. Là, je vais choisir mon rasoir puisque moi je travaille avec 3 rasoirs à 3 vibrations différentes. À savoir le plus bas, donc il y a la vibration yin, le médium yin-yang, et yang le troisième. Et je vais voir le rasoir qui va correspondre le mieux. Je vais commencer à l'affûter tout en y mettant une intention, puisque pour moi c'est important. Le rasoir est vraiment le prolongement donc de mon geste. Et donc c'est vraiment comme une communion avec cet outil. Et là je vais lui expliquer le déroulement donc de cette première vibration, qu'on appelle une vibration dite tonifiante. Pourquoi tonifiante? Puisque vraiment, nous allons stimuler toutes les fonctions vitales donc du cheveu. La différence par rapport aux rasoirs qu'on utilise aujourd'hui dans les salons de coiffure, qui pour moi sont des rasoirs qui abîment les cheveux, ça agit vraiment comme un éplucheur à légumes. On enlève les différentes couches du cheveu et qui fait que notre cheveu perd complètement de la matière et donc de la tenue. Je lui explique ensuite que ce rasoir, donc la vibration va parcourir toutes les écailles du cheveu.
qu'elle va passer donc au niveau de notre bulbe pileux où on va stimuler ce qu'on appelle les cellules souches qui sont les cellules mâles qui vont féconder donc la papille de façon à fabriquer toujours donc des cellules de cheveux nouvelles. Elle va permettre aussi cette vibration donc stimuler donc toute la microcirculation. J'insiste sur ça parce que c'est vraiment très important et c'est pour ça que le massage du cuir chevelu est important, car il faut savoir que sur chaque cheveu nous avons deux vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires, donc ce sont des vaisseaux qui sont plus fins qu'un cheveu. Nous en avons, si on les mettons bout à bout, ça peut faire à peu près 25 000 km. Donc c'est vous dire le réseau que nous avons au niveau de notre cuir chevelu. Je lui explique aussi qu'éventuellement ça peut être légèrement sensible, hein, ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, j'invite la cliente ou le client à inspirer, expirer. Donc je l'accompagne, hein, puisque c'est un travail à deux, comme je le précisais tout à l'heure. Après, je continue donc dans ma deuxième vibration, qui est donc la vibration apaisante, dite tonifiante, qu'on appelle aussi taille diamant. Le cheveu va être travaillé donc dans tous les sens. Savoir que par exemple, ça, au niveau technique, ça va permettre de faire toutes les jonctions de coupe, ça va permettre de faire les dégradés éventuellement qui sont nécessaires. Je vais faire travailler les cheveux, je vais les travailler un peu comme une danse. Hein. Donc ce qui demande justement, lorsqu'on apprend cette méthode, à avoir vraiment des gestes très fluides, très ouverts, hein, donc vraiment très dansants. Et donc au niveau énergétique, c'est une vibration qui va permettre de rééquilibrer l'ensemble des chakras, notamment le plexus solaire. Alors, ce qui est très intéressant à la sortie donc, d'une coupe énergétique avant même de la sécher, c'est de voir le volume qu'on en a naturellement, d'un cheveu qui se place naturellement. Les clientes sont surprises de la brillance, alors que je n'ai pas besoin de mettre de produits supplémentaires. Et ce qui peut être aussi surprenant, c'est de voir des fois le changement d'aspect, de sens de coiffure. Par exemple, des personnes qui ont l'habitude d'avoir des raies d'un certain côté, des fois la raie peut basculer complètement de l'autre côté. Alors les gens me disent, vous avez changé la raie. Ah, moi, je ne change rien du tout. Il faut savoir que lorsqu'on fait une coupe énergétique, on appelle ça une coupe vivante, hein, la différence d'une coupe au ciseau qu'on appelle une coupe morte. Pourquoi? Parce qu'une coupe au ciseau, déjà, bah, vous avez une coupe de cheveux, mais ça n'apporte aucun bénéfice au niveau vibratoire et au niveau physiologique. Tandis qu'avec la coupe énergétique, comme il y a vraiment une onde vibratoire, comme je le disais précédemment, il y a vraiment donc cette stimulation de toutes ces fonctions vitales. Et donc, ce qui fait que le cheveu, ben, c'est lui qui se place. Hein. Moi, je ne fais que suivre. La question qui revient souvent donc, en fin de séance, c'est dans combien de temps dois-je revenir? Ben, moi, comme je n'aime pas les choses qui sont encadrées, j'invite souvent les gens vraiment à reprendre connexion avec leurs cheveux. Ce qui est toujours déstabilisant parce que quand on va chez le coiffeur, c'est un peu lui qui nous dit, dans certains cas, il faut revenir dans tant de temps, faire une couleur, couper les cheveux, choses comme ça. Moi, je leur dis non, observez vos cheveux, ce sont eux qui vont vous donner le rythme. Alors, l'effet énergétique dure en moyenne à peu près entre 2 et 3 mois, ça dépend des personnes. Des fois, c'est plus. Des fois, quand les cheveux sont à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de trouver, c'est souvent peut-être qu'il y a une préoccupation. Comment on s'est levé? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce que quelque chose nous préoccupe? Un rendez-vous? Quelque chose? Voilà. Donc, je dis, ne vous focalisez pas sur les cheveux. Dans ces cas-là, vous n'en ferez rien. Et je leur dis souvent, utilisez votre boîte à outils, peut-être soit des fleurs de Bac ou de respiration, de la confiance en soi, enfin tout ce qu'on veut. Hein, je veux dire, chacun trouvera matière. Voilà comment se passe toute une séance de coupe énergétique. Alors, une précision, c'est que moi, je la pratique vraiment qu'en individuel parce que pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que par expérience, je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait éventuellement une tierce personne, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte quand j'avais mon premier salon en France où je faisais la coupe énergétique à l'étage, parce que j'avais un salon en 2 étages, et qu'il y avait une personne juste en dessous, pourtant qui ne parlait pas, simplement sa présence dérangeait la personne avec laquelle j'étais et me dérangeait moi, parce qu'il y avait une énergie tierce. La seule exception que j'accepte, c'est lorsque je travaille avec des enfants, puisque j'ai la chance d'avoir quand même des enfants. Alors avec les enfants, on fait des séances beaucoup plus courtes, hein, puisque une séance de coupe énergétique, la première fois, peut durer jusqu'à 1h30. Avec les enfants, il faut être beaucoup plus concis, puisque c'est les enfants qui vous disent « mais t'en as encore pour longtemps à me poser toutes ces questions ». Et donc là, à ce moment-là, je précise toujours à l'enfant, je dis voilà, ton parent peut assister si tu le souhaites, mais à un moment donné, si tu as envie que ton parent sorte de la pièce pour éventuellement parler de choses plus intimes, tu peux le dire.
Et donc souvent, l'enfant se sent beaucoup mieux quand c'est comme ça. Alors, je ne prends les enfants que de parents dont je connais. Et pour moi, j'explique toujours aux parents, avant de prendre rendez-vous pour votre enfant, faites-lui voir qui je suis, faites-lui voir les vidéos. Et c'est seulement l'enfant qui choisira s'il a vraiment envie de venir vivre cette expérience ou pas. Pourquoi ? Parce que quand je vous parlais tout à l'heure des coupes traumatisantes de l'enfance, ça c'est un chapitre qui est très important dont je parle dans mon livre, c'est vraiment le respect et ça peut paraître surprenant mais on doit toujours demander l'autorisation à un enfant de lui couper les cheveux. Parce que pour nous en tant qu'adultes c'est un acte anodin hein, si on peut dire, mais pour un enfant c'est un acte souvent quand il est petit qu'il ne connaît pas, il est touché par quelqu'un qu'il ne connaît pas, on lui coupe des cheveux et souvent je dis aux parents, regardez l'attitude que votre enfant a quand on lui coupe une mèche de cheveux, sauf s'il pleure, sauf s'il hurle, hein, donc là ça c'est le traumatisme absolu. Et souvent il touche son cheveu et regarde son parent, l'air de dire explique-moi ce qu'on est en train de me faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adulte? On lui dit ne bouge pas, surtout. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour lui, il prend conscience que c'est pas un plaisir. Tout style de coiffure est réalisable. On peut faire des coupes classiques, des coupes modernes. Le minimum à couper de cheveux, c'est 1/2 cm. Alors, il y a juste une précision, c'est qu'il faut avoir au moins 3-4 cm de cheveux à couper. Pourquoi? Ben, parce que c'est pour les attraper. Alors, vous me direz, oui, mais les messieurs qui veulent des coupes courtes, mais ça, c'est complètement réalisable par la suite. Alors, la seule particularité, c'est que quand on va travailler évidemment des coupes courtes, on va faire tout au rasoir et il peut y avoir des finitions qui sont faites au ciseau, mais vraiment à la toute dernière fin, c'est-à-dire quelques mèches de cheveux à ranger. Hein. Et la coupe énergétique s'adresse vraiment à tout public. Alors dans ma clientèle, savoir, ou même dans la clientèle en général, vous avez des gens qui vont être ouverts au développement personnel, mais il y a aussi des gens qui viennent par rapport à des problématiques de cheveux, de cuir chevelu, ou simplement parce que j'ai aussi des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont vu sur des amis ou amies que leurs cheveux étaient magnifiques, beaux, brillants, sans mettre plein de produits, et vous avez des gens qui viennent simplement que pour ça. Donc dans ces cas-là, moi, c'est quelque chose que je vais percevoir et je vais bien le voir tout de suite si la personne, on peut parler plus en profondeur d'énergie ou pas. Il y a des personnes que je vais respecter et celles-ci, elles sont vraiment bienvenues.